Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour à tous, bienvenue pour le point bourse de ce jeudi 14 avril 2011. Au programme, le CAC 40, l'action Mercialis, le S&P 500 et enfin un mot des matières premières avec l'or. Hier, dans leur ensemble, les marchés actions européens ont progressé. Le CAC 40 est parvenu à repasser au-dessus des 4000 points grâce à une progression de plus 0,75%. Les opérateurs semblent toutefois hésitants au vu du faible volume d'échanges constaté, ce qui rend probable une poursuite de la consolidation sous les 4070 points à court terme. Et sur le marché actions français, l'action Mercialis pourrait retrouver un potentiel d'appréciation lors des prochaines semaines. La consolidation de ces derniers mois au-dessus du support majeur à 26,07€ semble en effet toucher à sa fin, ce qui devrait donner lieu à une nouvelle vague de hausse en direction des 29,10€ puis des 30,60€. Voilà pour les valeurs de la bourse parisienne. Tout de suite, un mot du S&P 500 et de l'or. Aux États-Unis, le S&P 500 a quant à lui terminé sur une note relativement neutre, les investisseurs n'ayant guère été convaincus par la publication du livre belge de la Fed. Le principal indice boursier américain consolide depuis plusieurs séances après avoir récemment approché son plus haut annuel à 1345 points. Un retour sur le premier support à 1300 points ne peut donc être exclu. Et enfin, du côté des matières premières, l'or a repris le chemin de la hausse après avoir corrigé lundi et mardi. Sa configuration graphique reste toujours favorable à court et à moyen terme. Et ce, d'autant plus que le métal précieux évolue sur de nouveaux plus hauts historiques. La résistance psychologique des 1500 $ constitue toujours le prochain objectif des analystes. Voilà pour l'essentiel des valeurs boursières du jour. Je vous souhaite une très belle séance.